Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui continuer à faire joujou avec Ansible et avec des conteneurs sous Podman, qui est compatible avec Docker. Je suis Nils, bienvenue sur Another Homepage. J'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous êtes prêts pour ces 2 heures de live, normalement. Salut à toi Xavier, salut à toi Sébastux. Merci d'être là, fidèle au poste, comme toujours. Alors. Ça va ? Ok. Et oui, effectivement, à tes souhaits. Allons-y. En quoi consiste cette vidéo ? On va reprendre. Je crois que je m'étais arrêté. Je voyais ça, j'avais loupé le live il y a une semaine. Et donc, il y a 2 semaines, l'idée, l'objectif de ce projet, c'est en fait d'utiliser une machine virtuelle, une seule, pour pouvoir installer plusieurs services dessus en faisant de la segmentation avec des conteneurs. Et cette segmentation avec des conteneurs, l'objectif, c'est notamment de pouvoir installer différents sites web avec différentes technologies, voire même différents, pas seulement du web, mais aussi, pourquoi pas, d'autres services, comme par exemple avoir un VPN, pour avoir son propre VPN, pour pouvoir, par exemple, aussi rajouter un firewall dans le VPN. Donc tout ça serait donc conteneurisé et quelque part contenu dans une seule machine virtuelle. On pourrait donc aller déployer cette machine virtuelle facilement chez un fournisseur de VPS ou de cloud comme AWS, GCP, Azure, selon, j'ai envie de dire, les différenciations tarifaires qui pourraient nous avantager. Alors, on avait juste la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, on avait juste commencé gentiment à mettre en place le projet. Alors je ne l'ai toujours pas rendu public, ce ne sera pas forcément le cas sur cette vidéo non plus. Je verrai, soit je le rends public hors live un peu plus tard, soit je le ferai dans une prochaine vidéo. Mais ça va grosso modo être un repo Git avec principalement de l'Ansible dedans. Alors, je vais passer sur cette vue-là, et on va reprendre où est-ce qu'on en était il y a donc 2 semaines. Alors, j'ai fait un petit Ansible playbook pour... Alors, j'espère que c'est assez... J'ai des petites blagues en ce moment avec mon ordinateur. Par exemple... l'émulateur de terminal que j'utilise, qui s'appelle Tilex, a la particularité de pouvoir faire des sortes de profils avec un ou plusieurs onglets, un ou plusieurs panneaux, et de les mettre sous un certain, on va dire, alors j'ai le mot en anglais, layout, mais j'aurais dire disposition, sous une certaine disposition.
Et donc vous pouvez voir que là, normalement, mon terminal, voilà, il s'arrête à cet endroit-là pour éviter d'aller mettre du texte là où il y aura le chat, si jamais vous racontez des choses. Et en dessous, le terminal s'arrête juste avant mon overlay, de façon à ce qu'il n'y ait pas du texte qui soit derrière l'overlay. Et en fait, la blague, c'est que quand j'essaye d'ouvrir le fichier de profil ou de faire d'autres trucs, eh bien, il se trouve que ça gèle entièrement la machine. Là, si jamais je fais le CTRL-SHIFT-O pour essayer d'ouvrir un fichier de profil, ou que je vais dans le menu ici, et alors je ne vais pas y aller, hein, mais vous voyez un petit bout de menu qui descend à droite, je ne vais pas faire un open, parce que si je fais un open, je freeze entièrement la machine. C'est assez désagréable. Il faudra que je regarde un peu plus en détail à un moment hors ligne comment résoudre ça. Parce que ça m'est déjà arrivé, genre 10 minutes avant le début d'un live, d'avoir la machine qui répond plus. Je ne sais pas du tout, en fait, puisque je n'arrive même pas à me connecter en SSH à la machine. Bien entendu, mon PC a un SSH ouvert. Mais je n'arrive même plus à pinguer. Si je ping peut-être encore la machine, mais SSH, même pas la peine. C'est assez bizarre. Mais voilà, j'ai en ce moment quelques petites blagounettes qui me font dire qu'à un moment, il faudra peut-être que je songe à faire un coup de ménage, du grand ménage. Alors, je suis pas sûr qu'un stream réinstallation de PC ce soit forcément très intéressant. Mais déjà, il y a le MacBook Pro de dimanche dernier à gérer. Hop. Alors, j'espère que le son ça va bien. Je viens de me rendre compte que le micro passait un peu dans le rouge. Donc, j'espère que je ne parle pas trop fort. J'ai un peu éloigné le micro. Je vais peut-être l'éloigner encore un peu plus. Vous me direz hein, si jamais vous m'entendez moins bien. Merci pour le petit soundcheck, Xavier. Alors, on avait mis en exemple. Si je refais un petit truc là. Petite commande tri. On va faire un vi-p, on va aller chercher rôle VPS. Bon, on a pas mal de choses là-dedans en fait. On va aller faire un petit les vars peut-être que j'avais. Et on a aussi les tasks, je pense, qui allaient m'intéresser. Voilà. Bon, en fait, celui-là, il est vide. Celui-là, par contre, il ne l'est pas. et on va aller... tiens, d'ailleurs, je crois que j'avais oublié quel rôle VPS. Et c'était le requirements.yaml, containers.podman. Hop. On va aller rechercher ça tout de suite parce que c'est sur ça qu'on va se baser, donc on va pas s'embêter. Hein. Ansible Galaxy containers.podman. Bon bah c'est directement documentation Ansible latest. Ok, nickel. Parfait. Alors. Parfait. On a toutes les informations, enfin j'espère qu'on a toutes les informations dont on a besoin pour aller déployer nos conteneurs. Oui, ben voilà pourquoi j'avais mis un Redis avant. C'est parfait ça. Bon. On va aller se chercher un petit conteneur Nginx. Alors vous remarquerez que je cherche pour un conteneur Docker, mais comme Podman fonctionne comme Docker. Voilà, alors. Il y a un README. Full readme is generated over Docker library docs. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des informations sur...
Comment... Alors, je vais peut-être me connecter aussi en SSH à la machine virtuelle. Histoire de voir un peu de quoi il retourne. Et est-ce que je l'avais mise dans mon... Non, je ne l'avais pas mise. Allons-y. 182.168. Non, c'était un 10.13.37.134 si je ne m'abuse. De toute façon, j'ai le. Hop, voilà. 10.13.37.134. Voilà. Hop là. Et on avait vérifié, on avait fait un petit podman PS. Ah oui, c'est vrai qu'on avait joué avec les images. Bon, j'avais pas fait grand chose de plus. C'est vrai qu'on avait joué avec Cockpit, qui pour l'instant est installé, mais on va pas forcément beaucoup jouer de plus. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser? Ce qui va m'intéresser, c'est de chercher un. J'aurais aimé chercher le truc. Je pense que je vais quand même réutiliser Cockpit pour une raison très simple. 13.37.134. 134, j'ai dit. Pour une raison très simple, c'est qu'au moins j'ai le avancé. C'est qu'au moins avec les conteneurs Podman, on peut dire si je fais créer un conteneur et en image, je cherche sur le docker.io par exemple. Ah oui, on peut faire tous. Je peux faire Nginx, moi. Comme ça, je peux rechercher au moins des images tranquillement. Fedora 29, ça peut-être un peu vieux. Docker.io, bah, je pense que c'est celle-ci, hein, Official Build of Nginx. Hop. Allez, ce sera celle-ci. Annulé. On va revenir ici. Et puis, on va... Name, donc on va l'appeler, on va peut-être déjà changer ici, et on va faire Nginx container, hop, name, image, hop, et ce que je vais la faire, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler reverse proxy, tiens, parce que de toute façon, à terme, ça va être un reverse proxy, la commande, bah la commande, normalement, j'en ai pas besoin, si, si je recherche le truc comme ça, comment ça, aucune image trouvée. Hop. Nginx. Hop. Commande SH, ouais, non. Est-ce que dans les exemples, on a quelque chose un petit peu plus... Est-ce qu'on a forcément besoin de la commande? Non, pas forcément. Pas forcément. Donc on va l'enlever, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, state started, recreate yes. Ok. On va commencer gentiment avec ça pour le moment. Par contre, ce qui me manque, ce qui va me manquer, ça va être ce que je vais faire pour éviter d'être tout le temps dans le truc. Hop, on va se lancer un tmux. On va faire un petit vi. Qu'est-ce que j'avais fait? Hop, vi. Hop là.
Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, c'était ça. Voilà, et comme ça, j'ai mon autre emplacement. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est je vais faire Ansible-playbook -u/rules vps.yaml. Hop là. Pour le moment, je pense pas qu'il va faire grand chose. À mon avis, il va falloir que je spécifie une commande. Je suis un peu rouillé sur les conteneurs. Ça a changé. Ok, c'est cool. Si je regarde là-dessus, je pense que si je fais un podman ps ici, ça va pas le faire. Que si je fais un sudo podman ps, j'ai un conteneur nginx qui tourne. Ça c'est cool, c'est très cool, mais ça va pas me suffire. Ça va pas me suffire parce que pour le moment, moi, le conteneur là, je peux pas y accéder des masses. Mais fort heureusement, j'ai de quoi y aller avec les ports. Alors, si jamais je lui demande dans les publish. Ok. Bon, on va tenter un truc, hein, on verra bien ce que ça donne. Ah oui, là je suis ailleurs. Hop. On va tenter ça. Dis donc. Hop. Alors la question c'est quand il dit 8000, 9000. C'est marrant quand même, j'avais pas le... Il n'y a pas les ports dans le... QRP, publish, pod. IP, host, port, container, port. Donc a priori, le 80-80, et là on va mettre 80. Allez, c'est reparti. Donc là, est-ce que j'ai toujours... Donc ça, il a que 3 secondes. Mais normalement, maintenant, je devrais pouvoir faire un... Si je fais un HTTP 2.//10.13.37.134.2. 80-80. Welcome to Nginx. Ok. Ok, donc ça déjà, je sais pas vous, mais moi, ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir. Qu'est-ce qu'on vient de faire exactement? Eh bien, ce qu'on vient de faire, c'est tout simplement qu'on vient, via Ansible, de déployer un conteneur Nginx, et qu'en plus, dans ce conteneur Nginx, on lui a dit... avec son conteneur Nginx, on lui a dit le port 80 du conteneur, tu viens le ramener sur le port 80-80 de l'hôte, donc de la VM qui fait tourner le conteneur. Et comme la VM qui fait tourner le conteneur, eh ben, elle est dispo sur l'IP 10.13.37.134, eh bien, en faisant en HTTP 10.13.37.134.2.80-80, pouf, j'ai mon Nginx qui est accessible. Alors, pour le moment, c'est déjà pas mal. La question que je me pose, enfin l'une des questions que je me pose, c'est maintenant dans quelle direction on va aller. Parce qu'en fait, maintenant, il y a plein de choses.
Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Là, comme ça, il y a d'une part, j'ai envie de rendre le truc un peu plus permanent. J'ai envie d'appliquer une configuration au conteneur. J'ai envie de monter un volume sur le conteneur. J'ai envie de rajouter un deuxième conteneur. Vous avez vu que je l'ai appelé Reverse Proxy parce que l'objectif à terme, c'est d'avoir un conteneur Nginx qui fait Reverse Proxy et d'avoir d'autres conteneurs, Nginx ou Apache ou des applicatifs. Je sais pas moi, on pourrait imaginer du PHP, du Python, du je ne sais quoi. J'ai pas envie de dire node.js parce que pour le moment, je n'envisage pas ce genre de techno, mais on sait jamais. Toujours est-il que je me demande un peu dans quelle direction je vais partir. Je pense que la première chose que je vais vouloir faire, c'est d'abord essayer de rendre le truc un peu, un peu pérenne. Parce que là, honnêtement, je pense que si je redémarre la machine, si je reboot la machine, ça ne reboot pas avec. Donc on va commencer peut-être par essayer d'avoir ça. Alors qu'est-ce qu'on aurait dans les options qui pourraient nous aider? Tiens, d'ailleurs ça me fait penser, je ne vous ai même pas mis le lien vers la documentation. Des fois que cela vous intéresse, hop, je vous envoie ça là. Et je vais aussi le rajouter dans les liens du live sur le Discord de la chaîne. Donc vous trouverez l'adresse par là. Donc si jamais vous avez envie de nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, vous pouvez en profiter. J'ai envie de dire, je suis tenté de dire c'est open bar, mais enfin, on peut dire ça comme ça. Je pense que je ferais mieux de dire que c'est ouvert à toutes et à tous, entrée libre. Alors, oui, on avait l'histoire de volume. Oh, il y a personne qui mord sur le Discord. D'ailleurs, salut, c'est non. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Alors, est-ce qu'on a des trucs dans les exemples qui disent lancer un conteneur, ok, créer un conteneur data, ah oui forcément avec un volume, ok. Donc là lui il veut recréer avec, ok. Veut relancer le conteneur, ok. Juste le conteneur est présent, le conteneur est arrêté. Avec Podman, on peut créer des conteneurs load balancés, ça c'est cool. Mais je ne vois rien qui indiquerait genre vas-y, démarre au démarrage avec le système. Restart policy to follow when containers exit. Ok. Donc ça, moi j'aurais tendance à dire que c'est. J'ai envie que ce soit. Le cas, mais on a recreate yes. Non, c'est pas ça, c'est restart policy. Hop là. Est-ce qu'on l'a mis? Restart policy always. Restart policy no. Specify a restart policy for the service. No, on success, on failure, always. Default policy, on failure. Bon, ok. Je suis en train de me demander si ça va pas se finir en service système D cette affaire. Generate system unit file for container. Bah tiens. donc générer de système D, ajouter. D'accord. Alors, est-ce que dans les exemples il y en a un? Oui, générer de système D, chemin, restart policy always, container préfixe. Mm-hmm. Ok. Ah, et en plus, on va pouvoir... Oui, parce que là, pour le moment, ce que j'ai l'impression, c'est que...
on lance le conteneur en tant que route. Donc si ça se trouve, on pourrait même le faire tourner sur le port 80, mais moi ça me plaît pas. On verra ça à un autre moment. Ça fait partie des choses que j'ai envie de voir. Limite, je vais finir par me faire une liste. Une to-do list. Alors, donc, si je reprends ici l'exemple. Et que je me dis, tiens, on va se mettre là. Bon, alors, bien entendu, sinon c'est pas drôle, cette paste. Hop, container prévu. Pourquoi il y a besoin d'un chemin pour cette histoire? Il sert à quoi ce chemin? Spécifier un chemin vers le répertoire de... Ah, je ne vais pas générer un truc dans slash TMP, enfin une unité système D dans slash TMP, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas un truc par défaut? Il n'y a pas une valeur par défaut? J'ai pas l'impression. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller jeter un œil. Ça va être ETC système D de mémoire système. Je pense que ça va être là-dedans. Hein. Ça sera peut-être un peu plus pertinent. Restart policy always. Time. C'est quoi le time? Override the default stop timeout for the... Ouais, bon, on va être optimiste. Names. Ça sert à quoi, names? Alors, use names for the containers to start. Default is true. Ok. Oui, true. Bah, ok. Et container préfixe. Container préfixe. T'es où? Set the system des unit name préfixe for containers. The default is container. Ouais, mais en fait, le défaut, c'est très bien. Ok. Allez, c'est reparti. Bon, je pense pas forcément à le lancer deux fois. Et normalement, il lance. Ah, il redit changed. Tiens, c'est étonnant. C'est étonnant. Ça me plaît moyen, ça. Ça me plaît moyen. Alors, pourquoi ça me plaît moyen? Parce que ça veut dire que si je redéploie, ça veut dire, là on voit, créer, status, hop, puis à 14, hop, 19. Ok, et donc si je relance là maintenant à nouveau le playbook, ça veut dire qu'il va relancer à nouveau le conteneur. Donc si je reviens ici, hop, seulement il y a 3 secondes. Donc ça, ça m'embête un peu, ça veut dire qu'il a... quelque part couper le truc alors que forcément alors qu'il était en fonctionnement, que l'état attendu était déjà obtenu. Donc ça m'embête un peu. En théorie, le force restart, il est à false. Le force restart, il est à false. Ce que j'ai pas fait... Ah, j'ai mis un recreate, yes. On va peut-être l'enlever. Si ça se trouve, c'est ça qui gêne. Si je cherche le recreate... C'est ça. C'est ça. Forcer la recréation d'un conteneur existant. Donc, si ça se trouve, c'est ça qui pose problème. Hop. Allez, c'est reparti. On va vérifier ça. Ici, donc, on a 51 secondes. Donc, le truc, il a à peu près une minute de vie. Si je relance mon playbook, là, il est censé me dire, ouais, ok, c'est bon. Voilà. Il n'en a pas changé. Il n'a rien changé. Ok, ça me rassure. Maintenant, ETC systemd système et il a créé un truc qui s'appelle container-reverse-proxy.service. Ça me plaît. Et donc, on a une jolie unité systemd auto-générée par Podman. Ça, c'est cool. Ah, ça, c'est classe. Le seul truc que je ne vois pas pour le moment dedans. Ah, pourtant, il a fait la redirection.
Je vois pas où est-ce qu'il configure la redirection. Alors, ce que je vais faire, c'est systemctl status. Donc, ce truc-là. Marrant ça. Il me dit qu'il est chargé, mais qu'il est, il est inactif. Si je lance un podman stop de reverse proxy. Et que je refais un podman ps, là j'ai plus rien. Ok. Ok. On va ensuite... je voudrais revoir à nouveau. Pourtant j'ai bien ça. Alors est-ce que dans la partie systemd, il n'y aurait pas... Il n'y aurait pas à lui dire, eh, au fait, faut réexporter les ports, un truc comme ça. Want time separator. Restart policy requires pod prefix. Paf. No header, new names container prefix. Et il y a un after, mais non, il n'y a pas de... Alors, on va relancer le bignou. On va relancer le bignou, histoire de bien comprendre un peu comment tout cela, ça fonctionne. Parce que les choses soient très claires, hein, je suis pas là en mode je vous apprends des choses, je découvre en même temps que vous. Et c'est, je trouve, ce qui rend les choses parfois aussi intéressantes. Donc, Podman PS, donc il vient de se lancer, il m'a bien fait le truc. Si je fais un système CTL status de notre conteneur reverse proxy. Il me dit quand même inactif, dead. C'est dingue ça. Alors je vais tenter un autre truc. On va refaire un podman stop du reverse proxy. Hop, on refait un podman ps, donc il n'y a plus rien. Et maintenant là, mon système CTL status, il n'a pas bougé. Et si je fais un start, qu'est-ce qui se passe? On refait un status, et là, bim, on a des choses. On a des choses. Et si je fais un podman ps, oui, il m'a bien remis le port. Donc si je reviens ici et que je fais un contrôle, faire contrôle F5, on a bien un Nginx, ok. Error, nous sommes là, ok, c'est cool. Et si jamais je tente un journal CTL, tiens. Journal CTL moins, moins U. Ok. Tiens. Le conteneur Nginx officiel, c'est une Debian, on dirait. Bon, on a quand même un kernel de Fedora, mais bon. Alors, j'essaye de comprendre un petit peu ce petit truc-là. Parce qu'en gros, il dit quoi? Recréer le conteneur Redis avec 6, 1, 6, 1, 6, unité systemd généré dans slash tnp. Restart policy always. Je suis un peu embêté.
En gros, il démarre le conteneur. Ah, en fait, à la limite, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je crée le conteneur, mais je ne le démarre pas. Et j'envoie en... j'ai mangé le nom du truc. Mais en handler, je lui dis démarre le conteneur. Enfin, démarre le service systemd. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? N'hésitez pas à le dire hein, dans le chat. Alors, ce qu'on va donc faire, on va revenir là, on va lui dire state présent, et ensuite, alors j'ai complètement oublié comment... Comment est-ce qu'on gère déjà les handlers? Je sais qu'on a un handlers, à gérer ensuite. Là, ça, c'est le var files. Hop. Var files et handler files. Hop. Et donc, ce qu'on peut peut-être faire ici, c'est rajouter en fait un notify salut à toi Manon. Alors notify, deux points. Start. Et donc, finalement, notre conteneur, il s'appelle container-reverse.underscore-proxy.service. Remarque, non, c'est pas la peine. Je peux lui dire start-reverse-proxy. En fait, le handler, lui, ça va être lui, le handler, on va aller ici et on va lui dire name Ansible playbook invoke Adrien. Oh, salut Adrien. Bon, Adrien et Manon, j'espère que vous allez passer une bonne journée. J'espère que vous allez bien. Allons-y. Start. Remarque, je peux peut-être faire un restart. Ah, mais dans ce cas-là, ça va me restarter le conteneur à chaque fois. Bon, on va faire start. Non, pas ça. Hop. On avait dit quoi déjà? Start reverse proxy. Hop. Start reverse proxy. Et ensuite. Service et le name du service, c'est donc container-reverse-proxy. Hop. Et le state, pour moi, il doit être started. Allez, on va le tenter comme ça, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors à la limite même, ce qu'on va peut-être faire ici, c'est qu'on va faire un systemctl stop de tout ça. Podman PS, il n'y a plus rien. Est-ce que je pousserai pas le vice jusqu'à effacer le fichier systemd, le fichier de service, l'unité? Allez, si, soyons fous. Allez. Alors, etc systemd, on a dit. Oui, tout à fait, Podman. Hop là,
System, et on avait dit container. Oui, tout à fait. Ah bah c'est de notoriété publique que je stream principalement sur de la base Red Hat. Le PC de stream, tout comme la machine virtuelle là, sont sous Fedora 37. Hop. Allons-y. Allez. Je fais sauter ça. Je sais pas si c'est forcément l'idée du siècle, mais... Allez, c'est reparti. Aurais-je oublié quelque chose? J'ai peut-être pas enregistré ça? Non. Bizarre. Et il n'y a rien qui tourne. Le seul truc qui t'énerve avec Podman, c'est que pour... Il faut passer par unité systemd. En effet, parce que Podman est fait pour être, si je me rappelle bien, sans démon, en fait. J'ai pas de change sur la tasse, donc pas de handler déclenché. Oui, c'est vrai. Hop là. Alors... Oui, parce que je n'ai pas mis le restart always. Ah, bah oui. Bah si, pourtant, j'ai un restart policy always ici. Le handler n'est pas déclenché, ça c'est logique. Mais alors la question c'est... Mais pourtant, j'ai pas de change. Mais normalement, si j'aurais peut-être dû avoir un truc qui change parce que... J'ai quand même effacé le... Ah, j'ai effacé, mais j'ai pas fait de système CTL Daemon Reload. Ah, pourtant, il me l'a recréé. Le restart policy est une propriété propre à Docker qui dit que si le conteneur plante, il est restart par Podman. Alors, oui, c'est ici. 19h45, oui, tout à fait. Tout à fait. La machine étant UTC. Oh, merci Manon. Merci Manon pour le sub. Merci beaucoup Manon qui est là depuis maintenant 11 mois en tant que sub. Manon, merci infiniment pour ton soutien. Toujours aussi apprécié. Donc, d'ailleurs, je crois que... Manon, oui, le souci, c'est que, a priori, là, le conteneur ne démarre pas. Le conteneur ne démarre pas, alors que je pensais que le handler allait gérer le truc. Alors. Oh, et merci, MaïdoumFR, pour le deuxième mois d'abonnement. Merci à toi. Vous êtes adorable. Ouais, copie sur Manon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors. Je suis embêté avec le fait d'activer le recreate. Ou alors il faudrait que je mette le state started. Pourtant, je suis censé avoir le notify qui démarre le service. Parce que là, je suppose que si je fais un systemctl start container-reverse proxy, il démarre. Je fais un podman ps, il me le montre. Je fais un status, il a démarré. Il a la Adrien, soit il trouve l'erreur, soit il doit s'abonner. non, c'est... Effectivement, c'est une plaisanterie. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Maintenant, tu peux rester Adrien, t'inquiète. Le sub n'est pas obligatoire, loin de là. Encore que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de train de la hype. Et vous savez que quand il y a un train de la hype, il y a un train qui, au bout d'un moment, passe dans mon terminal.
Enfin, c'est juste moi qui lance la commande SL, hein. N'allez pas penser qu'il y a un train qui va apparaître comme ça sur le stream. Tu n'utilises pas ces conteneurs. Ok. Ah bah, je suis curieux de savoir si tu utilises autre chose, comment tu t'en sers. Ça fait de la conversation, c'est toujours intéressant d'avoir les retours d'expérience des autres. Orchestrer des conteneurs, c'est pas plutôt le rôle de Swarm ou Cube. alors, MyDoom, je pense que lancer un Docker Swarm ou un Kubernetes sur un pauvre VPS, je suis pas sûr que ça va faire beaucoup. Pour rappel, en fait, l'idée c'est de pouvoir profiter d'une VM à pas cher, genre typiquement le tiers gratuit chez Google, chez Oracle ou une VM d'entrée de gamme chez par exemple OVH Cloud ou chez Scaleway. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir des services qui sont plus ou moins cloisonnés et de les gérer dans des conteneurs. Donc je comprends que alors le geek, hop, ton message, je l'ai vu passer fort heureusement. Alors bonsoir, je sais que je suis sur le bon live, mais je ne sais pas si c'est le bon moment et je pose quand même ma question. Mais oui, pose la question. Est-ce que si j'ai un accès SFTP, j'ai aussi un accès SSH? Alors, la réponse courte, ça va être peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Voilà, pas forcément. Pas forcément. Mais ça vaut le coup de tester. Tout à fait, comme le précise Eusément, il est possible de restreindre le SSH au SFTP only. Je l'ai déjà fait dans le passé, ça fonctionne plutôt bien. On peut faire pas mal de limites avec OpenSSH, c'est super puissant. Franchement, si un jour vous vous ennuyez, genre un dimanche pluvieux, franchement, plongez dans les options de configuration d'OpenSSH, c'est assez fou, on peut faire plein de choses, on peut bloquer aussi pas mal de choses. Franchement, les gens qui maintiennent le logiciel OpenSSH, ce sont des gens qui franchement méritent notre comment dire notre reconnaissance. Voilà, alors je vais peut-être aussi rattraper le reste du chan. Alors oui, Adrien qui nous disait au taf c'est des VM, je peux comprendre. J'ai connu ça, et encore, mais j'ai même connu plutôt les serveurs physiques avant de virtualiser. Et quand tu te dis mince, il faut acheter une grosse machine 2U parce que c'est le serveur qu'on achète systématiquement pour un pauvre petit service qui va manger même pas 1% des ressources, c'est un peu dommage. Xavier, il n'y a pas de souci, je te souhaite un bon appétit puis une bonne soirée. Alors, MyDoom qui disait avec Ansible, j'ai jamais apprécié manager des conteneurs Docker Compose. Ok, donc ouais, je sais qu'il y a un Podman Compose aussi. Pas de Linux ni de Docker, mais il faut que je m'en occupe sur les BDD déjà. Et si on peut, ce serait... Alors, hop là, on va revenir. Bah, des serveurs physiques, on a un AD et toute la plateforme de sauvegarde est physique. Oui, je vois le genre. Et si on peut, ce serait le même user, bon à voir. Tu peux avoir un même utilisateur qui est capable de faire du... Enfin, tu peux te connecter avec le même utilisateur en SFTP et en SSH. C'est parfaitement possible. Là, tu vois... je suis où, là? Hop, là, je suis connecté en SSH... Sur la machine qui s'appelle Node 0, ce que je peux faire, s'il veut bien, hop, donc là je quitte mon SSH, mon TMUX, et je peux faire un SFTP, hop, sur la même IP,
slash, un petit ls. Si je fais un ls slash, tiens, voilà, là on voit le file system. Je suis connecté en SFTP. Hein. Et à la limite, je peux faire, hop, j'ouvre un autre terminal à côté. Je vais lancer le SSH en même temps. Hop, et je suis dessus. Je reprends mon TMUX. Comme s'il ne s'était rien passé. Oui, tout à fait. Bah, c'est justement, c'est généralement ce que vont faire les gens quand ils font du SFTP only, comme le signalait Emmanuel tout à l'heure. Tu viens limiter les emplacements sur le file system que l'utilisateur peut voir, de façon à éviter qu'il remonte et qu'il aille récupérer au hasard etc passwd, etc shadow. Normalement, les droits dessus sont de sorte qu'il n'y ait pas de souci, mais entre ça, d'autres fichiers qui peuvent contenir des secrets et dont les droits sont pas forcément très bien gérés. Après, un bon chroot SSH, c'est pas forcément évident à mettre en place. Je trouve. Pendant ce temps... T'as fait un super... Ah bah tiens, hey, tu sais quoi Non, il n'y a pas de problème. Tu peux refaire un petit peu de pub. On va même en profiter. Tu sais quoi? Hop. On va faire un petit shoot-out à toi. Hop. Voilà. Ah, justement, j'allais te proposer de poster l'URL. Il n'y a pas de souci. Puis tiens, tu sais quoi? Ce que je vais même faire, c'est que je vais copier ça. Copier link. Je vais même aller le mettre sur le Discord, dans les liens du live. Allez. Voilà. C'est pas garanti que ça t'apporte beaucoup de vues, mais c'est fait. Où en étions-nous? Allez, encore un Discord. Oui, toi aussi, tu commences à avoir pas mal de serveurs Discord dans tes trucs et tu sais plus où t'en es. C'est pas évident. C'est pas évident, je l'admets. Donc, allez, revenons à nos moutons. Et ce que j'étais en train de me demander, c'est comment démarrer le truc proprement. À moins que je lui fasse un state ici started, mais... On a vu que ça m'embêtait un peu parce que avec un state started, est-ce que... Ah, il me dit que c'est OK. D'accord. Alors, a priori, ici, il me dit que le service est désactivé. Donc, à la limite, si je reboot la machine, normalement, le conteneur ne redémarre pas. On va le tenter. Ça y est, il redémarre. Ok. Donc là, bien entendu, étant donné que le service est désactivé, si je fais un systemctl start, il le démarre. Podman PS, il est démarré. Le status, il me dit qu'il est là. OK. Et maintenant, si je fais un petit stop. Voilà. Et que je reviens ici. Et que je relance mon playbook. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il me dit qu'il y a un changement. Il me dit qu'il a lancé le handler. Le conteneur est démarré. Et si je fais un systemctl status, il me dit bien qu'il est active running. Donc c'est bon. C'est bon. Salut à toi, Chavenet. Bienvenue. J'espère que tu as passé une bonne journée. Hop. Alors. Donc ça, c'est chouette. Je crois qu'on a trouvé, une conf qui m'a l'air plutôt convenable à ce niveau-là.
Alors, en gros, Adrien, fallait bien que je mette l'état started. En gros, ce qui m'embêtait au début, c'est que quand j'ai commencé par faire des trucs, quand j'ai commencé à mettre le conteneur, je l'ai mis en présent parce que j'avais l'impression qu'en générant l'unité systemd, il ne démarrait pas le conteneur avec l'unité systemd. Donc j'avais le conteneur qui apparaissait dans le podman PS, mais si je faisais un système CTL status, il me disait bah non, le service il est dead. Donc ça m'embêtait un peu. Ben, je pense qu'il le lançait à la main, mais visiblement en mettant proprement les trucs ici, avec le notify et le handler, là il fait les choses proprement. Par contre, maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'il démarre maintenant au redémarrage. J'aimerais qu'il soit démarré au démarrage. Donc ça va se faire en activant le truc. Et ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller dire eh ben, Ansible systemd service. J'ai envie de dire qu'il doit bien y avoir. Voilà, il y a un built-in systemd module. Parfait. Alors. State de point enabled. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que ce serait pas ça? Eh ben écoute, regarde, là on a un truc genre enabled false true. Donc en fait, enable et voilà. Donc en gros, on va pouvoir faire ça. C'est limite, voilà, copier-coller. Hop. Paste. Voilà. Service. Donc on a dit qu'on l'appelait container tiret reverse proxy. Voilà. Oui, ensuite, effectivement, le set no paste, juste après, bien vu, Adrien. Enable true. Non, c'est enable yes. Ok. Bon. Si ça se trouve, ça marcherait avec true, mais ok. Donc, on est reparti, hein. On va vérifier que ça. Donc, normalement, il ne va pas me redémarrer le conteneur, on va quand même vérifier ça après. Et il y a juste le enable service qui est bon. Donc, si je reviens à nouveau et que je relance mon playbook. On a notre playbook qui ne refait pas de changement. Et si je relance un système CTL status, il me dit warning. Ah. Donc il serait peut-être préférable que par précaution je fasse un reload, un daemon reload. Je vais rajouter un daemon reload en fait. Hop. Alors la question c'est est-ce que ça provoque un changement? Et si je le relance une deuxième fois, est-ce que ça reprovoque un changement? Non, a priori ça provoque pas de changement. Ok. Et là on est bon. Voilà. On peut voir, il est chargé et il est enabled. Donc maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre reboot et on va s'assurer que le conteneur, lui, il redémarre aussi. Ah ouais, il repingue déjà. En même temps, c'est une petite VM. Voilà. Allons-y voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément fermer mon onglet et en rouvrir un. Et welcome to Nginx! La classe! Ah, je suis content de moi. Vous n'imaginez pas, ça me met en joie pour l'instant ce soir. Alors,
Est-ce que... on va quand même vérifier. Si on fait un Podman PS, on a ça. C'est cool. Ici, je fais un système CTL, status. J'ai dit container, on a dit reverse proxy. Proxy. Et donc, on a des infos. Ok. Donc ça, c'est cool. C'est très cool. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? J'avais dit qu'il y avait pas mal de choses, pas mal de directions dans lesquelles j'avais envie d'aller. La première, enfin l'une des directions que j'avais mentionnées, c'était de dire je voudrais aussi avoir plusieurs conteneurs, un reverse proxy, différents services ou serveurs web. Donc je vais vouloir appliquer une configuration à mon Nginx. Et je vais vouloir aussi un stockage permanent. Puisque là, à chaque fois que le conteneur il est démarré, c'est comme le poisson rouge qui a fait le tour du bocal. Hein. Que les choses soient claires. Le conteneur, on l'a remis à zéro. Hein. C'est « Bonjour, je suis Nginx, je viens vous servir !» Donc, on a ça. On a aussi le fait qu'il tourne en tant que root. Hein. Vous voyez, je me mets ici. Là, je suis en tant que root hein, sur ma machine. Et je fais un podman ps. Hop. Vous l'avez clippé ou pas? Après un poisson nommé... C'est quoi? C'était quoi le film? C'était pas un poisson nommé Wanda? Ou un poisson rouge nommé Wanda? Je sais plus, je suis même pas sûr d'avoir vu le film et je suis même pas sûr que ça parle vraiment du poisson rouge en plus. C'est plutôt Dory de Nemo. Il y a ça aussi, chacun sa ref. Chacun sa ref. Donc là, je suis revenu en tant qu'utilisateur NIMS et puis je suis un podman PS. Et eh ben en gros c'est très simple, on ne voit rien. Donc c'est juste un poisson nommé Wanda. Ok. Tu as vu 20 films dans ta vie, tu n'es pas la bonne personne pour la... C'est pas grave Adrien, regarde, il y a Sébastux qui a la référence pour nous. Mais il est probable que le monde de Nemo soit une référence qui soit plus facile à utiliser aujourd'hui que le poisson nommé Wanda. Bref, ça m'embête un peu que le conteneur tourne en tant que route parce que supposons l'espace d'un instant quelqu'un arrive à obtenir un shell sur le conteneur, alors c'est déjà un gros si, et que une fois que quelqu'un a un shell sur le conteneur, qu'il arrive à s'échapper du conteneur. Parce que pour rappel, les conteneurs, c'est pas magique. Ça fait appel à des capacités de segmentation du noyau Linux. Mais il n'empêche que c'est pas aussi étanche que des VM. Et encore, il y a des hackers très doués, très compétents, qui arrivent à trouver des zero day sur des hyperviseurs et qui arrivent à faire en sorte que depuis une machine virtuelle, ils accèdent à la machine hôte. Alors je vous rassure, ce genre de vulnérabilité, quand c'est découvert, c'est branle-bas de combat chez les éditeurs de solutions d'hyperviseurs ou dans les projets open source d'hyperviseurs pour aller colmater la brèche. Ouais, Prison Break, mon histoire. Oui, bah, c'est comment dire, on peut penser, enfin, c'est... Ça arrive pas tous les jours, que les choses soient très claires. De s'échapper d'une VM, s'échapper d'un conteneur, ça se fait pas en un claquement de doigts. En revanche, c'est un risque. C'est le Graal en termes de test d'intrusion. C'est d'arriver à s'échapper du conteneur ou de la VM, mais c'est pas non plus le truc qui arrive tous les 4 matins. Néanmoins, ce qui se passe, c'est que si là, j'ai un gars qui s'infiltre sur la machine, sur le conteneur,
et que via le conteneur il arrive à accéder à l'hôte, bah, le conteneur s'est exécutant en croûte, il y a moyen qu'il soit route. Alors, est-ce qu'il n'y a pas du GLK récemment? Je t'avoue que ma mémoire me fait défaut à ce niveau-là, Manon. Oui, on peut depuis une VM accéder à l'hyperviseur. Alors oui, alors, Chavenet, je parle, comment dire, je mets de côté les systèmes de partage. Je pense notamment sur lorsqu'on est en utilisation bureautique ou des fois on veut accéder à un file système de l'hyperviseur. Enfin, genre par exemple, je prends un ordinateur portable, je veux mettre des VM dessus et je veux accéder à des fichiers de développement. Oui, oui, c'est possible, c'est fait pour. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est normalement borné, bordé. T'es normalement, t'as accès juste à un seul répertoire. Mais je parle vraiment, voilà, comme poste Manon, des failles critiques qui font que potentiellement des hackers peuvent aller se balader sur le file system de l'hyperviseur sans qu'ils en aient l'autorisation à l'origine. Donc effectivement là c'est chez Xen, mais sur VMware, à mon avis ce genre de vulnérabilité a déjà dû être fait. Donc voilà, ça arrive. On voit que Manon est très bien documentée sur le sujet. Alors, moi ce que j'aimerais donc, c'est que mon conteneur tourne pas en tant qu'utilisateur root. Alors, pourquoi pas pour notre stream, je le ferais bien tourner avec l'utilisateur Nils. Est-ce que par hasard, il y aurait genre dans les trucs, un truc genre user en file. Ah, c'est dommage, c'est pas idempotent. GID map run the container in new user namespace using the supplied mapping. Ouais. Network. Ok. Sub GID name run the. Ah, user, voilà. Set the username or UID, and optionalise the group name or GID. Ok. Donc on a un user, donc on va lancer un user Nils. Hop. Image. Où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre là, allez hop. User 2.Nils. Hop, je voudrais que tu te mettes avec les autres, voilà, et que... Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, Sébastux? Tu crées un compte dans ton playbook et tu utilises Bcom pour l'exécution. Ça peut être ça. Mais déjà, je vais essayer juste avec l'utilisateur Nils, qui existe déjà. Alors, il y a un user, est-ce qu'il y a un groupe? Hop. C'est groupe parent, c'est groupe... Groupad, optionalise group name. Ah, alors si ça se trouve, ce qu'ils l'ont dans les exemples, il faudrait que je fasse Nils 2.Nils par exemple. Non, bah écoute, on va le laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Déjà, dans un premier temps, hop, on y va pas à pas. Alors, je pense qu'il va se viander, voilà. Il peut pas parce qu'il y a déjà un truc, effectivement. Ah non, tiens, no matching entries in past WD file. Ah tiens, déjà, le truc avait pas redémarré. Ou il l'a coupé. Alors, on va peut-être d'abord commencer par ça.
si je fais ça, il me dit quoi? Il me dit qu'il s'est viandé. Alors, pourquoi? Start request repeated too quickly. Alors, je vais peut-être revenir là. Il s'est viandé. Si tu veux dire, c'est saladé. Non, c'est drôle, Adrien, il n'y a pas de souci. Avant de commencer à faire des modifs, on va peut-être. Donc là, il va me redire non. Si. Si, il a démarré. Si, il a démarré. Il est enable. Je vais rebooter la machine à nouveau. Parce que je suis curieux, là. Je crois que j'ai parlé trop vite en disant que ça se passait bien ce soir, hein. En vrai, c'est avec ce genre de choses-là qu'on apprend. Hein. Ouais, il est actif. Tout va bien. Tout va bien. Et donc, si je reviens ici... Ah, c'est bon, ça marche. Ok. Alors, je vais faire sauter de fait maintenant mon conteneur. Voilà. Ensuite, etc systemd system on dit conteneur, hop. Et ensuite systemctl daemon reload. Donc là normalement, je n'ai plus d'unité systemd, j'ai plus de conteneur. Je reviens ici. Maintenant, je lui dis user Nils. Ok. Ah, et là, il fail. Alors, est-ce que c'est l'utilisateur pour lancer Nginx ou est-ce que c'est l'utilisateur pour lancer le conteneur? Set the username or UID used. Ah ouais, c'est pour la commande. Ok, donc c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas ça qu'il faut que je mette. En revanche, est-ce qu'on aurait d'autres trucs? Alors, systemd, est-ce qu'il y a des choses là-dedans? Non. Allez, on va aller regarder les... Si je crée un compte... Alors... Qu'est-ce qu'on aurait d'intéressant là-dedans? Non, ce ne serait pas les sub machin chose, non.
Ah, on a même des health check, tiens. C'est cool ça. Alors, route FS, non. Alors, sub UID name, run the container in a new user namespace using the map with the name in the etc sub UID file. Ah! Ah, mais je l'ai alors! J'ai déjà un truc là. Donc, a priori, je peux tenter un sub UID name et un sub GID name. Ok. On va tenter avec ça. Voilà. Allez. Ça fonctionne. Après, ah non. Et ben, on va aller voir les détails. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, je suis peut-être juste un journal. C'était L-U. Il me dit quoi? Parce que là, c'est les erreurs de quoi? Je suis pas sûr de bien voir les logs comme il faut. Oui, si je vais voir les derniers logs, ce sera pas mal. Si je fais un podman PS, déjà, je dois rien avoir. Ah si, j'ai un truc. Mais je suis route, là. Et surtout, si je regarde dans l'unité système D... Ouais, il me précise pas en particulier que ça doit être lancé en tant qu'utilisateur Nils. C'est un petit peu ennuyeux, ça. Est-ce que par hasard ce serait genre une fonctionnalité qui manque? Parce qu'on sait jamais, hein. Je me sers peut-être mal du truc. Donc dans les trucs ouverts, je vois rien qui parlerait d'un user. Et si je cherche dans les trucs et que je mets user,
Unshare with rootless. Ah, il y a un truc rootless peut-être. Je ne me rappelle pas l'avoir vu, mais... Alors... Non, il parle pas de... Juste par curiosité. Alors, je sais pas ce que c'est que ce truc. The Challenge Ansible Automate Grafana in Rootless Container. Alors, description de l'environnement. Git Ansible Host slash Tower SSH RHEL Edge Fedora IoT Persistent Data Systemd. Alors, je sais pas si vous arrivez à bien voir. Hop, je vais zoomer encore un peu. User Podman Ephemeral Storage. Ok, d'accord. C'est un peu ça. C'est un peu ce que je veux faire. Il faut installer Grafana. Oh, j'ai quand même pas installé Grafana pour ça, mais... Ah. C'est en bas de page. Persistant début session. Check if user is lingering. Oula, il commence à parler de Debus. Ça commence à me... commence à me faire peur. Système de service file target change. GitHub.com. Ah, on va aller voir ça aussi. Alors, attends, déjà je vais terminer la lecture de ce truc là. User System Deck Commands RPM OS Trip Package Handling. Oui, mais ça c'est... Ah oui, c'est parce qu'il utilise Fedora IoT, c'est pour ça. Ok. Ok, il a fait des trucs avec XDG. Ok, bon. Alors, container run as user. Alors, attends, je vais regarder ton truc, du coup, Sébastux. Container, Podman container systemd. Ah oui, mais alors, c'est pas le même rôle que ce qu'on utilise. C'est ça, il a écrit un rôle. Donc en fait, c'est pas le même rôle. Non, mais il lance avec autre chose que root. Tout à fait. Il installe Podman, il récupère les images. Memory ou autre n'ont pas fonctionné en tant qu'utilisateur. Si vous voulez lancer... Ah oui, si vous voulez augmenter le timeout. Role install Podman. Ça aussi, ça installe Firewall D si l'utilisateur a un container Firewall Port.
Et ça installe kubeval pour un pod si... Oula. J'ai l'impression d'être tombé sur un truc un petit peu... Parce que là, ça voudrait dire en fait que je repars de zéro si j'utilise ce rôle. Ça doit pouvoir se trouver dans les tasks, peut-être. Moi, ouais, ça, à la rigueur, ça, je l'avais déjà. Ah, peut-être voir dans les templates, alors, ou main. Il nous dit quoi? Get user information, prepare rootless stuff if needed. Oui, c'est bien ce que je me disais. Il vient créer le. Il vient créer le répertoire .config systemd user. Set systemd runtime dir. Ah, il le met carrément dans. Ok, si jamais c'est root, il le met carrément dans slash lib. Enfin, dans USR local lib. Perso, je préfère le mettre dans slash otc, mais. Ouais. Je pense que ça va être un petit peu compliqué pour ce soir, vu qu'il est déjà 21h30. Mais on va peut-être se mettre ça de côté, en fait. Je vais le mettre dans les liens du live, parce qu'effectivement, c'est intéressant de voir comment lui s'y est pris. Hop là. Alors, est-ce que pour la partie du live qui nous reste... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça ressemble à des choses que lui, il a expliqué aussi, hein. Quand il est allé chercher des trucs dans, voilà, dans run user, dans les points... où est-ce qu'il est allé faire ça? Voilà, le point config. Ça aussi, tiens, je vais le copier. Hop, et je vais le mettre dans les liens du live. Je vous l'ai mis ou pas là-dessus? Non, allez, je vous le partage aussi ici. Et je vais le mettre dans les liens du live sur Discord. Voilà. Et on va peut-être regarder dans un premier temps comment est-ce qu'on peut... avoir un volume. Volume from. Créer un bind. You specify volumes. Ah oui, d'accord. Sinon, ok. Donc, ce qu'on peut faire sur la machine, c'est qu'on peut faire un petit SRV, non? Si je fais un mkdir slash SRV reverse proxy, et on va l'appeler comment ce truc? On va l'appeler docroot, tiens. Puis on va en faire un autre qu'on va appeler log. Et oui, c'est ça. Pour le moment, oui, on met en to-do list pour la prochaine fois. Exactement, Sébastux.
Alors, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais faire, donc, j'aimerais faire un volume. Je voudrais monter un bind mount. Et donc, a priori, faire volume host dir de point container dir. Ok. Allez. Donc à cet endroit-là, ça, on va les enlever, on s'en sert plus. Hop, on va aller ici. Si je fais volume 2 points, donc slash SRV, j'ai dit reverse proxy, et je l'ai appelé doc route. Et ce que je veux faire, c'est le mettre dans. Si là sur la machine je fais un système CTL start container tiret reverse proxy, est-ce que ça démarre? Oui, ça démarre. La question que je suis en train de me poser, c'est le Nginx. Qu'est-ce qu'il a comme. Tiens, on va tricher un petit peu. On va retourner dans notre. Non, je l'ai sur le 9090 en HTTPS. On va tricher avec. Avec ça, hop, il est en fonctionnement. Et est-ce qu'on peut faire un truc du genre console? Ouais, on est dedans. Voilà, comme ça, je me casse pas la tête. Et donc, moi, ce que je veux, c'est aller dans etc nginx. On va aller regarder. Il y a quoi dans le conf.d? Il y a un default.conf. Salut à toi, Nebed X86. Je n'ai pas de laisse. Ok, alors si je fais un 4, ça passerait. Ah zut! Le contrôle W réflexe, parce que je me crois dans un terminal et. Alors, pas de PWD. Salut à toi, Toyama. ETC Nginx slash. Conf.d. Cat default.conf. Ok, j'ai un truc. J'aurais aimé qu'il me le. Alors, il m'a pas mis d'access log. Ok, et c'est le route, c'est usr share nginx html. Voilà, ça m'intéresse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le monter. On va aller le monter là. User share nginx html. Puis ce qu'on va faire, c'est que dans ce répertoire-là, pour l'instant, sur la machine, alors je l'ai créé, mais c'est bon, il faudra que je le crée correctement. SRV reverse proxy docroute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un echo. Coucou par ici dans index.html et parfait, il est en 6.4.4, nickel. Et on va vérifier si, si ça démarre et si on a et si jamais on a autre chose, parce que pour le moment, voilà, on a juste le welcome to Nginx de base. Ok, donc allons-y. Systemctl stop container tiret reverse proxy. Voilà. On va revenir ici.
Hop. Et on lance le playbook. Donc oui, il y a eu du changement, forcément. Ah, il fail. Il fail probablement parce que... PS. 12 secondes. Bah, il me dit fail et il le lance. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que là, si je reviens ici... 403, forbidden. Ok. Si je reviens ici... Indiquité. On refresh. Il est en fonctionnement. Ok. Console. Mount. Est-ce que je vois un truc là-dedans dans les mounts? Non. USR. Share. On a dit Nginx. HTML. Ah. Cannot open directory permission denied. Ça commence bien. Ça commence bien. Alors, est-ce que je me suis trompé dans les droits ou dans certains trucs? Parce que le volume, il dit quoi? Un bind mount, ouais. Mmh. Hey, merci beaucoup pour le follow, Fanadev. Merci à toi. Ouais. Et c'était quoi l'erreur qu'il a eu, qu'il nous a dit? Il a pas réussi. Bah, pourtant, le job. Si je fais un journal CTL-U. Du service container reverse proxy. Ouais, ok, il a eu une erreur parce que... Permission denied. 403. 10.13.37.1, ça c'est normal. Après, s'il veut un favicon.ico, je lui fais, hein, mais je pense pas que ce soit ça le problème. Je me demande si il n'y a pas SE Linux qui est passé par là. On va jeter un œil. Alors pour SE Linux, on va aller regarder donc le fichier qui s'appelle audit.log. Non, pour toi c'est pas du SE Linux, Adrien? Ah oui, c'est le navigateur qui demande par défaut un favicon. Oui, 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 bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Denied, sysadmin, capabilities, network, what? Alors, je vais faire un truc à la con, juste pour voir un peu ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cat de var log audit, audit.log, et normalement on va le donner à manger à audit tout allo s'il est installé, et audit tout allo de mémoire, je crois que c'est moins petit m, et on va l'appeler local, et on va lui balancer ça dans local.te. Ah, il n'y a pas audit.allo. DNF-y install audit to allo. Alors oui, je pourrais faire un set en force 0, Adrien, je pourrais. Ah oui, c'est pas le nom du package. Search what provides. Toile slash. Mais j'aime bien faire utiliser. J'aime bien utiliser audit to allo. Et c'est policy comme. Allez. Hop.
Bien, alors qu'est-ce qu'il veut nous faire utiliser là? On a un truc de GPT. Ça m'a pas l'air d'être ça. Hein. Ça m'a pas l'air d'être SELinux. Je vais quand même faire un set en force 0 juste pour le principe. Mais. Ouais, il est bien targeted. Permissive. Tac. Et on va relancer le BINU. Bon, je vais peut-être aller couper d'ailleurs. System CTL stop container-reverse proxy. Voilà. Ok. Et. Voilà, il se plante quand même. Ah, pourtant il est running, hein. Chelou cette affaire. S'il se plante. S'il se plante à Roswell, il poussera peut-être, oui. C'est une idée. Bah, en fait, l'erreur, c'est qu'en gros, là, on a une erreur. Il dit que job for container failed because the service did not take the steps required by its unit configuration. Ah. Et. Pas de soucis, Manon. Merci d'être passé, c'est très gentil à toi. À bientôt. Système CTL 4, le service. Ouais, ça peut se faire. Tu vas essayer de re-suivre les lives du jeudi. Bah écoute, ça me fait très plaisir. J'espère que je serai un peu plus au rendez-vous les jeudis aussi. À bientôt, salut. Alors, ce que je trouve assez marrant quand même dans cette configuration système D, c'est que à aucun moment le truc il indique clairement la redirection de port ou le montage. J'ai envie de faire un truc un peu goré d'ailleurs. Voir s'il a pas Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, c'est juste le lien symbolique pour dire et au fait active-le. Ok. Pourtant, il est démarré, hein, mais à mon avis, il doit lui manquer un truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais un système CTL disable ce binou là. On va faire un RM de TC système D. Système up de ça. Hoc daemon reload. Et ah oui, j'ai oublié ça. Bah, je vais le rebooter en fait. Comme un gros bourrin.
Allez, dépêche-toi, il est tard. Il en est où là? Il s'éteint ou il s'allume? Toujours en connection refuse? Non, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quand même pas tué la VM. Ouais, je suis comme ça, à un moment je m'impatiente. Je m'impatiente. Bon, elle a redémarré. Et j'ai un nouveau du SSH. J'ai pas d'image. Container. Ok. Allez, c'est reparti, on va relancer le playbook. Oui, effectivement, j'aurais peut-être pu, mais je me demande si justement il n'était pas bloqué durant la phase d'extinction en fait. Et il n'en veut toujours pas. L'audit d'active running. Et si je fais un podman ps, il me dit tout va bien. Et je suppose que si j'enlève le volume. Ah, c'est pas les. Si, c'est ça qui pose problème. En fait, c'est pas les volumes, je crois que je me suis trompé. Allez, on relance, on va bien voir ce que ça donne. Voilà. Ça s'est démarré. Mais je suspecte que si je reviens. Si je reviens ici, je me remange un 403 forbidden. Alors, c'est une excellente question, Adrien. J'en ai pas la moindre idée. Mais normalement, comme c'est lui qui est censé gérer aussi comment dire, générer le service système D, si c'est pas prévu dans le rôle, ben à moins de décider de créer le service moi-même en dehors du rôle Ansible Podman, ça va être ennuyeux. Ouais, non, il me dit permission denied. Donc je pense que c'est logique que je me mange un 403. Mais ce qui me surprend, c'est de me manger un nobody no group. Pourquoi est-ce que j'ai un nobody no group? Il y a des utilisateurs là-dedans sur le list elements égale string volumes from. Donc ça c'est pour de lancer depuis un conteneur. Et on n'a qu'un seul exemple avec le volume. Si je vais demander Ansible Podman volume. Oula. Hi there, Yves One Love. This is a French speaking stream, mainly. Not sure I have specified. Yes, the stream language is set up to French. Un
I'm not sure I could really help you, to be honest. Alors. Tiens, Fedora Magazine qui propose un truc. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Est-ce qu'ils font du volume au moins? Nope. Ouais, en gros, c'est... Il montre le début et ensuite, c'est aller voir la documentation. Pas de soucis, Adrien. De toute façon, on va... Je pense que, ouais, vu l'heure, on va s'arrêter là pour ce soir, je pense. Salut. Merci d'être passé, en tout cas. Ça m'a fait très, très plaisir. Allez. Je pense que déjà, on a réussi des trucs pas trop mal ce soir, hein, parce que déjà, certes, le volume ne fonctionne pas, mais on a un conteneur qui démarre, qui est géré avec une unité systemd et qui est capable de redémarrer au démarrage de la machine. Ah, alors, une issue sur GitHub. Closed. Je sais pas si c'est rassurant. Alors. Permission denied. Ouais, ok. Effectivement. Podman info moins debug. Ouais. Ok, donc ça c'est tous les trucs. Alors, il a fait quoi? Il a fait comme nous, hein. Il a mis un volume. Web. Ah, il a mis une. Ok, oui, parce qu'il doit y avoir une variable sans doute pour son truc. Il a mis un SE type, ok, 0777, ouais, soit. Ok. Setting to permissive, mode, files are accessible. Ah! Alors attends, si je refais un set en force permissif et que je redémarre le conteneur. Voilà. Et maintenant, je reviens dans ma page ici. Et j'ai le coucou par ici. Eh bien, bravo Sébastux. Félicitations. Tu nous sauves le dernier, la dernière partie du stream. On va se mettre ça de côté. Hein. On va se mettre ça de côté parce qu'effectivement, tout en bas. Donc il va falloir... Mais alors, ce qui manque, Kikin, c'est que de fait, si je fais ici un... Si je refais mon petit audit toileau. Où est-ce qu'il m'indique... Il m'indique rien. Hein. Donc il va falloir faire un petit chcon sur le répertoire qui va bien. On va se garder ça pour jeudi prochain. Hop, je vais le mettre tout de suite dans les liens du live. Et on va se rajouter en commentaire. Au fait... Allez, volume. Voilà. Container share T. Effectivement, c'est effectivement pertinent. Très bien. Bon, et eh bien écoutez, il est 22h. On va en rester là pour ce soir.
Alors, je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre aide, pour votre bonne humeur, d'être venu assister à ce stream. J'espère que vous avez appris des trucs, au moins autant que moi. Moi, je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Et ça me donne envie d'être au prochain stream pour pouvoir continuer à avancer. Alors, le prochain stream, ce sera normalement dimanche, mais voilà, je stream habituellement les dimanches de 18h à 20h et les jeudis de 20h à 22h. Il se trouve que ce que je fais, c'est que je fais deux sujets différents. Donc, le sujet des jeudis n'est pas le même que le sujet des vendredis. Pour le moment, au moment où je vous parle, j'ai pas forcément de sujet pour ce dimanche. Donc, la suite de mes aventures avec Ansible et Podman, eh bien, ce sera jeudi prochain à 20h. Si jamais vous voulez voir les anciens streams, ils sont normalement disponibles pendant 2 semaines sur Twitch. Et si vous voulez voir vraiment des vieux streams, vous pouvez en trouver sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube ainsi que tous les réseaux sociaux sont d'ailleurs sur ma page perso, anotherhomepage.org, dont je vous donne le lien là. Il est là. Non, il est là maintenant. C'est là. Hop. Et vous allez trouver donc non seulement le lien vers cette chaîne Twitch, mais vous allez aussi trouver le lien vers la chaîne YouTube. Peut-être d'ailleurs qu'à un moment, vous regarderez cette vidéo sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous venez de YouTube, à aller passer faire un coucou sur la chaîne Twitch. Et si vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube. On est à un peu plus de 550 abonnés, ce qui est déjà énorme. Encore merci. Pour le reste des réseaux sociaux, bien entendu, Mastodon, Twitter, Instagram, LinkedIn, la totale, vous les trouverez là-dessous pour Twitch et YouTube. Et vous pourrez retrouver tout ça, bien entendu, sur Another Home Page, là. Voili voilou. Alors, est-ce que, avant de se quitter... la dernière fois que j'ai raidé Virtual Labs, ça s'est un peu mal passé, entre guillemets, parce que ça a planté sur le système de raid. Alors, je vous avoue que je suis réticent à aller le raider ce soir. Mais on va quand même y aller, on va être optimiste. Donc, comme d'habitude, pour les habitués, et je le répète pour les nouveaux arrivants, je vais mettre l'écran de fin de live, mais restez là quand même, justement, pour pouvoir aller raider Virtual Labs. Vous allez voir, il fait des trucs, généralement, qui sont assez chouettes. Moi, maintenant, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt, à dimanche ou à jeudi prochain. Ciao, ciao !